Rogers. Come in. Come in, won't you? Thank you. How do you feel today? Very well, thank you. That's fine. Some of my colleagues would like to have a look at you. Now, this is Dr. McVicker and Dr. Rom. Matter of fact, we've just been having a look at a slide of your specimen. These gentlemen are research scientists. Yes. Oh, will you put your hat and coat on the chair, please? Thank you. Qu'est-ce qui amène Charles Davis dans cette salle aujourd'hui? C'est un homme tout comme un autre. Tout comme un autre, pas tout à fait. Pourtant, cette différence remonte à une origine qui nous est commune à tous. Sa vie comme la nôtre a commencé dans la cellule fertilisée, une minuscule étincelle de vie, une cellule, avec un potentiel, celui de croître en se divisant. D'un à deux. De 2 à 4, par le processus fondamental de la mitose. 8, 16, et ainsi de suite. Et la cellule devient embryon. Septième semaine, et l'embryon se compose de milliers de cellules, groupées selon leurs caractères, et qui évoluent en tissus et organes. Celle-ci pour la main. D'autres pour l'œil. D'autres encore pour le cœur. Et de l'embryon, l'adulte émerge, équilibré, complet, et l'expansion des cellules s'arrête. Et si elle ne s'arrête pas, si les cellules se remettent à croître, à se multiplier sans frein ni loi, trahissant l'organisme dont elles font partie, elles croissent aveuglément au-delà de toute normale. Elles envahissent les tissus et les organes sains. Elles s'infiltrent dans tout l'organisme où elles établissent leur colonie maligne. C'est le cancer. It's a very interesting example. One of the most curable of all cancers. No pain at all, Mr. Davis? No. Mr. Davis is one of the lucky ones. 90 chances out of 100 will cure it. Thank you, Mr. Davis. Very gratifying. Your treatments will begin immediately, Mr. Davis. Okay, Doctor. Thank you. You don't worry now. No. Are you chaps going back to Brad? Yes, I have. Well, thanks for coming in. Right. Bye, Ross. Goodbye, Rom. Le cancer est un mal aussi vieux que l'histoire. Et qui peut apparaître dans tout organisme vivant. C'est le problème en deux mots. D'une cellule qui, sans raison apparente, se remet à croître sans arrêt. Nous savons cela. Mais pourquoi? Et comment l'arrêter? Les plus grands cerveaux du monde entier essaient de répondre à ces deux questions essentielles. Mais pourquoi est-ce si long? Pourquoi la réponse nous échappe-t-elle? C'est parce que cette cellule infime, où la réponse se cache, cette unité microscopique qui échappe à l'œil nu, c'est plus qu'un monde à explorer, c'est un univers. La science s'enfonce dans cet univers, où elle découvre de nouvelles constellations dont elle dresse la carte. Toutes les avenues de la recherche convergent vers ce point secret, la cellule. Parce que dans cette tête d'épingle, où se cachent des mondes, repose le mystère de la vie et l'énigme du cancer. En vase clos,
une particule de chair se survit. Les chercheurs savent comment la conserver en vie bien après que l'animal est mort. Pour que les tissus normaux et les tissus cancéreux puissent être comparés dans des conditions déterminées, l'expérimentation sur des tissus vivants est fondamentale. Mais c'est un problème délicat que de les maintenir en vie. Il faut les nourrir dans une atmosphère stérilisée, dans des conditions constantes de température et d'humidité. Ces tissus peuvent aussi croître dans des œufs, où ils se nourrissent de l'embryon. Par l'expérience sur les tissus vivants, le savant cherche les indices qui expliqueront le comportement anormal de ces cellules. Le but ultime, c'est d'arrêter cette croissance, de la détruire. Le biochimiste, s'attaquant au problème d'un autre côté, étudie le mode de vie des cellules. Elles respirent sous l'œil du savant, qui analyse les gaz inspirés et expirés. Dans son laboratoire, le savant scrute son ennemi, cherche le défaut de la cuirasse, le point faible qui permettra d'enrayer cette croissance maligne. De son côté, la génétique a fait apparaître, par croisement continuel, des familles entières de souris dont on peut dire à coup sûr qu'elles auront le cancer. C'est ce qu'on appelle des lignées pures. Les hommes, bien entendu, ne sont ni des souris ni descendants de lignées pures. Et rien ne prouve que le cancer est héréditaire chez les humains. Mais l'étude des traits héréditaires dans les lignées pures pourra peut-être entraîner la guérison du cancer des souris, puis du cancer humain. Mais toute cette recherche, toute cette accumulation de détails, que signifie-t-elle pour Charles Davis? Elle signifie que dorénavant, la guérison n'est pas impossible. Ce que nous avons appris, nous pouvons déjà l'utiliser. La mort a dû abandonner des territoires entiers. Cette année, la majorité des cas de cancers étudiés pourront être traités avec succès. Les rayons X, qui s'attaquent à la cellule cancéreuse comme des marteaux géants, progressent à grands pas. Des appareils aux radiations sans cesse plus puissantes, entrent en service de jour en jour. Le compteur GGR mesure et suit dans l'organisme le cours des isotopes radioactifs, ces composés qui partent à la recherche des cellules hors la loi et les tuent de l'intérieur. Le radium, silencieux et invisible, devient sans cesse plus puissant et plus précis. Ces rayons destructeurs, enfermés dans des aiguilles minuscules, pénètrent dans la tumeur et l'anéantissent. Et la chirurgie moderne met au service des savants une arme toujours plus précieuse pour extirper les tumeurs malignes cachées dans l'organisme. Chaque jour, les espoirs s'affirment. Plus de progrès ont été accomplis durant les 5 dernières années que dans les 25 années précédentes. Nous pouvons réussir aujourd'hui des miracles impossible il y a un an. Aujourd'hui, nous pouvons guérir M. Davis. Plus de gens guérissent tous les ans et le triomphe des hommes contre le mystère du cancer s'affirme sans arrêt. Mais pour le savant, que d'efforts encore. La réponse définitive n'est pas trouvée et la recherche continue sans relâche. Les expériences se poursuivent. Chaque jour, chaque nuit, tout au long de la nuit, dans le monde entier, dans le calme des laboratoires, l'attaque se poursuit, patiemment, obstinément, par des hommes qui épient l'adversaire, s'en rapprochent, scrutent son secret. Des hommes qui redonnent espoir dans la vie.